Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la Minute du Président du mercredi 1er décembre. Ça sent les fêtes. Je vous le rappelle, je sais, je ne veux pas vous rater là-dessus. Je veux que vous soyez là, je veux vous voir. Donc, le 3 décembre, vous savez, il y a un party qui est organisé, un party de solidarité. Et d'ailleurs, ce party-là aussi, il est pas juste, il est pour s'amuser, mais pour remercier aussi tous les gens qui présentement travaillent, luttent pour qu'on finisse par faire tourner le vent au sujet des coupures là, qui se passent au niveau de notre C3S qui coupe des services là, et qui met les employés dans des positions intenables. Donc, il y a ça. Et il y a aussi, oubliez pas, il y a le conseil d'administration, là, où on aimerait aussi que les gens soient présents. Enfin, si vous avez des questions à poser ou si vous voulez venir entendre les débats qui vont se faire là, ça va être le 8 décembre au site Visitation, là, sur la rue Visitation, le CLSC qu'il y a là. Donc, c'est un rendez-vous, ça aussi. Donc, en attendant, écoutez, on s'approche des fêtes, on va garder le moral, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous dis, on va se retrouver, on va fêter ça, et on continue la lutte. Parce que, écoutez, c'est pas une lutte d'un jour, 2 jours, d'une semaine, c'est un marathon, comme on le dit. Donc, nous, on va rester dans le dossier et on va amener le dossier. D'ailleurs, aujourd'hui même, on va interpeller le ministre Bolduc lui-même, c'est-à-dire le ministère, pour obtenir un rendez-vous parce que là, on s'aperçoit que entre l'agence et le conseil d'administration, je veux dire, il y a des connivences, mais je veux dire, il y a aussi une fermeture absolument infranchissable là, et très insensible à ce qu'on vit présentement ici. Comme on dit, on parle juste d'argent. Au niveau du CA, au niveau de l'agence. Donc, nous, on va avoir autre chose comme dialogue. Alors, donc, tout ça, c'est à suivre. Donc, on vous invite là, à être parmi nous le 3 décembre. Alors, je vous remercie et à vendredi.